Good morgen, Alei, Daniel et Sufre, aujourd'hui le Nishmat, Doven, Yudit, Evetarma, Ben Chedva, Chaya Esther, Bat Miriam, Tzrak Peretz, Ben Fortuna et Chaim Michael, Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechat Shabbat, Perek Yudalef, Mishnah Bet, Keitzad, Shtei Gzuz Traot, Zo Keneged Zo, Birshut Harabim, Hamoshit Vazorek Mizo Lezo, Patur, Ayushteen Bediuta Achat, Hamoshit Chayav Vazorek Patur, Shekach Haita Avodat Haleviim. Shte agalot zo achar zo birshut arabim, moshitin akrashim mizo lezo, aval lo zorkin. Chuliat abor veasela, sheen gvoin asara verochban arbaa, hanotel mehen vehanoten al gaban chayav, pachot miken patur. Bon, on a une Mishnah un petit peu délicate avec la melacha de moshit. Jusqu'à maintenant, on a parlé de faire sortir du reshut ayachid au reshut arabim. D'accord, prendre un objet qui est dans le domaine privé, on le fait sortir dans le domaine public, inversement. Et voilà, on avait même évoqué quelque chose, hier on avait appris une halakha particulière, maintenant celui qui est d'un côté, prenez une rue par exemple, où vous avez un milieu, un reshut arabim, et de chaque côté, vous avez des domaines privés. Quelqu'un qui est dans une cour et qui va jeter jusqu'à l'autre cour, il s'avère qu'il a fait sortir du reshut ayachid jusqu'au reshut ayachid, en passant au-dessus du reshut arabim. On avait appris hier une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Chachamim disait qu'il est dispensé complètement, il ne transgresse pas l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'il a pris quelque chose qui est dans le reshut ayachid, et il l'a porté jusqu'au reshut ayachid. C'est vrai qu'il est passé par le reshut arabim, mais puisqu'il ne s'est pas arrêté là-bas dans le reshut arabim, il n'a pas transgressé l'interdit de porter. Selon Rabbi Akiva, il y avait un interdit malgré tout. Parce que c'est une halakha un petit peu délicate, le principe de Kluta Kemishuntra, le fait d'avoir été capté, je n'ai pas trouvé le bon mot pour dire comment traduire le mot Kluta, mais le fait d'être entré dans l'espace du Reshut Arabim, considère qu'il est pour le moment dans le Reshut Arabim. Mais ça, il y a une précision importante, c'était que lorsqu'il était jusqu'à une hauteur de 10 tfachim, c'est-à-dire, je m'explique, on a les deux domaines, tout ça c'est nécessaire pour comprendre ce qui va se passer ici. On avait en fait, selon Rabbi Akiva, le fait d'entrer dans l'espace, un peu comme, prenez un exemple, quelqu'un qui rentre dans un avion qui rentre dans l'espace aérien d'Israël, et bien ça s'appelle qu'il est en ce moment en Israël, même s'il n'est pas posé. Ben c'est un peu le même principe. On considère aussi l'espace aérien, selon Rabbi Akiva, le fait de voler au-dessus du Reshut Ayachid, ça fait qu'on est entré dans le Reshut Ayachid, le fait de voler dans le Reshut Arabim, ça fait qu'on est dans le Reshut Arabim. De ce fait, celui qui jette d'un côté de la rue à l'autre côté de la rue, et ben il s'avère qu'il est passé, puisqu'au début il était considéré dans le Reshut Ayachid, puis après il est dans l'espace du Reshut Arabim, il est entré dans le Reshut Arabim, donc il a transgressé une première fois, puis après lorsqu'il va rentrer du Reshut Arabim au Reshut Ayachid, alors ça s'appelle qu'il entre une deuxième, qu'il transgresse l'interdit de sortir, de porter à Shabbat une deuxième fois. D'accord? Maintenant, précision super importante. C'était que lorsqu'il est dans l'espace jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. Vous vous rappelez qu'on avait évoqué que le Reshut Arabim, il est limité à une hauteur de 10 tfachim, pas au-dessus. J'avais rapporté à la fin du cours, l'histoire avec le chewing-gum. Si on est sorti avec un chewing-gum en bouche et qu'on ne sait pas où le poser, on le pose sur un mur au-dessus de 10 tfachim, on s'acquittait selon tous les avis. Parce qu'au-dessus de 10 tfachim, il n'y a plus de Reshut Arabim. Donc selon Rabbi Akiva, pour transgresser l'interdit de porter du Reshut Ayachid, de Reshut Ayachid en passant par le Reshut Arabim, il faut nécessairement qu'on passe à une hauteur inférieure à 10 tfachim. Ok? Prenez le cas où je jette. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on va plutôt attaquer directement notre Mishnah maintenant. Je commence par traduire, vous allez peut-être rien comprendre, mais j'ai besoin d'arriver au milieu de la Mishnah pour vous expliquer qu'il y avait une manière comme ça de porter dans le désert à l'époque du Mishkan. Et je commence à traduire. Keitzad, comment se présente le cas? On parle selon Chachamim en fait. Shtei gzuz traot zo keneged zo birshut arabim. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire le mot Keitzad parce qu'il est difficile à rattacher à la Mishnah précédente. Mais je traduis la suite pour le moment. Shtei gzuz traot. Une gzuz tera, c'est un balcon. Deux balcons, zo keneged zo. Un en face de l'autre, birshut arabim, qui donne sur une voie publique. C'est-à-dire qu'on a une rue, il y a deux immeubles, de deux côtés de la rue, et il y a deux balcons. Et donc, d'un balcon à l'autre, maintenant, le principe, je dis. On va s'intéresser, peut-être j'introduis très, très rapidement le schéma, de quoi on va parler. Imaginez deux immeubles qui sont des deux côtés du Reshut Arabim, avec quatre appartements. Deux en face de deux. D'accord? Je vous donne un brin de notion quand même. C'est qu'il s'avère qu'il y a... On va pouvoir faire passer d'un balcon à l'autre, soit en traversant le Reshut Arabim, soit en longeant le Reshut Arabim. D'accord? On va parler de ça exactement, parce qu'il va y avoir une différence par rapport à l'interdit de Moshit.
Pour le moment, donc, deux balcons, un en face de l'autre. Birshut Arabim qui donne sur le domaine public. Hamoshit va zorek miso lezo patour. Celui qui va tendre, ou celui qui va jeter d'un à l'autre, il est dispensé. Là, on est selon tous les avis parce qu'on est au-dessus de 10 tfarim. Je vous expliquerai après plus dans les détails, pour le moment on avance. Ayushten bediutar. Par contre, s'ils étaient les deux balcons du même côté, donc cette fois-ci, il y a le Rishut Arabim qui est en bas, moi j'ai un balcon qui donne au-dessus du Rishut Arabim, et il y a mon voisin, qui est en fait mon voisin de palier, mais à qui je fais coucou, de son balcon de l'autre côté. Donc on a entre nous un Rishut Arabim en dessous, on est au-dessus de 10 tfarim. Ayushten bediutar, ils étaient tous les deux d'un seul côté. Amoshit Hayav, celui qui va tendre d'un à l'autre, il est Hayav. Il est condamnable. Il transgresse un interdit de porter à Shabbat, c'est un interdit très particulier, très original. Vazorek Patour, tandis que celui qui va jeter d'un à l'autre, il sera dispensé, même selon Rabbi Akiva, parce qu'on est au-dessus de Dit Fahim. Shekar Haïta Avodat Alvihim, car tel était le travail, la fonction des Lévihim, lorsqu'ils travaillaient pour transporter le Mishkan. Il y avait deux charrettes, une derrière l'autre, qui étaient dans le Rishut Arabim, sur la voie publique. Moshitin Akrashim Miso Lezo. Ils passaient les poteaux, ou plutôt les planches, Miso Lezo, d'une à l'autre, Aval Lozorkin. Mais par contre, ils ne les jetaient pas. Et on s'arrête là et on commence d'abord à expliquer ce qui se passait. C'était dans les parachutes de Nassau qu'on avait appris. Les Nessi'im, les princes d'Israël, il y avait 12 princes. Ils ont fait cadeau 6 charrettes pour les Lévites. On avait vu dans Bamidbar, fin de Bamidbar, puis de fin de Nassau, il y avait Gershon, Kehat ou Merari, 3 familles de Lévites. Chacune avait des fonctions différentes sur les ustensiles à transporter du Mishkan. Le Mishkan, quand on était dans le désert, il fallait de temps en temps se déplacer, il fallait déménager. Lorsqu'il fallait déménager, il y avait tout un ordre extraordinaire, comment est-ce qu'il fallait démonter le Mishkan, comment le recouvrir, comment ensuite le transporter. Il y avait chaque famille entre Gershon, Kehat et Merari, ils avaient des fonctions spéciales, quoi porter et de quelle manière les porter. Bnei Kehat, la famille de Kehat, ils devaient transporter tous les ustensiles du Mishkan par leurs mains, ils n'avaient pas de charrette. Par contre, pour les Bnei Gershon et les Bnei Merari, eux, ils avaient des charrettes. Il y avait une famille qui avait 2 charrettes, l'autre famille qui avait 4 charrettes, selon le volume et le poids de ce qu'ils avaient apporté, en fait. Il fallait démonter le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait des poteaux, il y avait des poteaux de la cour, il y avait à part ça les planches du Ohel Moed, concrètement, qui étaient des grosses planches de bois, de 1 amma et demi de largeur, avec une amma de profondeur, 10 amot de hauteur. Elles étaient en cèdre, recouvertes d'or, c'était très lourd. Alors, ils devaient les démonter, puis après, les charger sur les 4 charrettes. D'accord? Ils devaient les charger sur les 4 charrettes. Maintenant, pour pouvoir les charger sur les charrettes, alors, une fois qu'on avait démonté tout le Mishkan, qui était d'abord tout posé, on mettait les charrettes 2 et 2. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi ça se passait comme ça, mais ça se passait comme ça. Il y avait des Lévim qui étaient dans la première charrette, qui réceptionnaient. Les charrettes, c'était sans animaux, ouais. On les mettait sur des charrettes avec des roues, puis après les Lévim, c'était eux qui déplaçaient les charrettes avec eux-mêmes. Donc maintenant, pour pouvoir charger les planches, ils prenaient les planches du parterre, ils les donnaient aux premiers Lévim qui étaient devant la première charrette. Les Lévim qui étaient dans la première charrette, ils les récupéraient et ils les faisaient passer aux Lévim qui étaient dans l'autre charrette. En chaque étape, il y a ici un interdit de porter à Shabbat. Tout d'abord, on ramasse du sol et on les met sur la charrette. La charrette, elle a un statut de rechute aérite parce qu'elle est au-dessus de 10 tfachim. Elle est, d'accord, 10 tfachim, elle est large. Donc premièrement, du parterre à la charrette, c'est l'interdit classique de porter à Shabbat. Du rechute arabim au rechute aérite. Pour le moment, on est parterre dans la rue et on met sur la charrette, donc c'est devenu un rechute aérite. Et puis après, alors là, lorsque les lévites vont réceptionner pour ensuite faire passer aux lévites qui sont de l'autre côté, dans l'autre charrette, ils vont leur tendre. Bien qu'on soit au-dessus de 10 tfachim, on déduit de là une halakha très originale qu'il y a un nouvel interdit de porter. C'est déduit de psukim dans la Gemara, c'est très original parce que... Non, d'abord j'explique le cas et puis après on explique pourquoi c'est tellement original. Maintenant on prend les planches, on les fait passer d'une charrette à l'autre charrette. Donc on est d'un Rishut Hayachid à un autre Rishut Hayachid en passant au-dessus du Avir Rishut Arabim, de l'espace qui est au-dessus du Rishut Arabim, au-dessus de 10 tfachim.
ça ne nous dérange plus, soudainement. Alors que normalement, on dit que le Rosh Rabim, c'est que dans l'espace des 10 premiers tfachim, du premier mètre, mais pas au-dessus, mais là, ça ne nous dérange plus. On fait passer d'un autre, on déduit de là qu'il y a une menacha. Il y a une menacha d'être moshit, de faire passer d'un Rosh Rabim à l'autre Rosh Rabim en passant par le Rosh Rabim, même si on est au-dessus des 10 tfachim du Rosh Rabim. Mais, très original. Pourquoi c'est très original? Parce que, de manière générale, dans toutes les melachot de Shabbat, alors, il y a la melacha, le av melacha et les tolada. Il y a le travail type et les tolada, les travaux dérivés qui sont déduits. Chaque melacha, elle a aussi, on en déduit quelque chose. Des fois, on va même très loin pour déduire des choses. On avait déjà évoqué, par exemple, le fait de planter une graine à Shabbat, c'est un interdit. Ben, figurez-vous que parfois, même couper des branches, c'est aussi un interdit à cause de planter. Pourquoi? Si vous élaguez un arbre et que grâce à ça, il va mieux pousser, vous êtes en train de favoriser sa pousse. Donc, on transgresse l'interdit de faire pousser à Shabbat, même si on est en train de faire le contraire, de le planter apparemment. Malgré tout, donc on déduit des travaux dérivés dans Shabbat. Spécifiquement, par rapport à l'interdit de Hotsaha, c'est quelque chose. Alors, on déduit certains dérivés par rapport au fait de jeter, mais spécifiquement, sur cet interdit très original de faire passer du Rishuter et de Rishuter et en passant par le Rishuter Abim, on le limite que au cas spécifique qu'il y avait au Mishkan qui implique d'être dans le sens du Rishuter Abim, parce que les charrettes après elles commencent à avancer droit. Donc, on déduit de là qu'on transgresse que si on passe de main à main, d'un balcon à l'autre, dans le sens du Rosh Rabim, mais pas dans le travers. D'où la Mishnah m'a enseigné que si on a les deux balcons qui sont d'un côté, un côté à l'autre, si je fais passer d'un à l'autre, je transgresse plus l'interdit de Moshit. Si je suis dans le sens du Rosh Rabim, alors je transgresse l'interdit de Moshit, même si je suis au-dessus de Tiferim, mais à condition que je fais passer de main à main, et pas que je jette. Pourquoi? Parce que par rapport à cette halakha particulière, les krashim, les planches du Mishkan, on les passait de main à main et on ne les jetait pas. Pourquoi on ne le jetait pas? Parce qu'elle pouvait se casser. Oui, il y en a qui expliquent parce que c'est kadosh, quelque chose de saint. Alors on les passait avec beaucoup de respect. Et donc on respectait les krashim, d'accord? On vénérait le Mishkan. Donc il fallait le passer de main à main. Donc de là, je déduis. Si vous ne comprenez pas malgré tout pourquoi, ben, je vous garantis que je ne suis pas mieux que vous. Depuis toujours, chaque fois que j'étudie Shabbat, il n'y a pas vraiment d'interprétation pourquoi on a limité que à ce cas particulier. C'est vraiment... C'est vraiment une exception à la règle de déduire avec en appliquant, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est déduit que c'est que ce cas spécifique de Moshit qui va contre toutes les règles en plus, parce que figurez-vous qu'on est au-dessus de 10 tfachim du Rishut Arabim. Mais c'est comme ça, d'accord? Donc du coup, c'est ce que la Mishnah elle m'a enseigné, maintenant vous pouvez relire toute la Mishnah, que vous allez mieux comprendre, si ce n'est le mot Ketsad qui est très problématique, comment se présente le cas en fait, le Tosotium Dov, il y en a qui disent qu'il est... qu'il ne faut pas dire le mot Ketsad, comment se présente le cas, il ne faut pas le dire, commencer directement la Mishnah en disant « j'étais Gusraot ». Il y en a qui le disent, mais ça se rapporte à la banane, sur le fait que lorsqu'on jette, on ne transgresse pas l'interdit. On ne va pas alourdir davantage, c'est déjà assez complexe. Donc la Mishnah me dit « j'étais Gusraot », je refais très rapidement, « j'étais Gusraot », deux balcons, en face de l'autre, même que l'on donne de main à main ou que l'on jette, on est dispensé toujours, on ne transgresse pas l'interdit Shabbat, parce que d'abord, parce que ce n'est pas le cas de Moshit, Moshit de tendre classique. Et Zorek, on est au-dessus de 10 tfachim, et même d'après Rabbi Akiva, c'est on est au-dessus de 10 tfachim. Tandis que si on est Bediuta Achat, sur le même côté du Rishut Arabim, la même rive du Rishut Arabim, alors si on fait passer d'un à l'autre en étant Moshit, en tendant d'un à l'autre pour que l'autre réceptionne et qu'il reçoive, eh bien on transgresse l'interdit ainsi. D'accord? Car tel était le travail des Levim dans le Mishkan. Dernier cas de figure maintenant de la Mishnah, là ça devient plus simple. Je traduis d'abord Choliat Abor, le rebord du puits Veasela, ou même le Sela, la pierre que l'on a mis pour faire un rebord, d'accord, on a mis un Sela là-bas au-dessus pour faire le rebord, eh bien, Shen Gvoin Asara Tfachim, qu'il y a au total 10 Tfachim, Verochban Arba Tfachim, et étalé sur qui occupe un espace de 4 Tfachim, eh bien, Hanotel Mehen, celui qui va prendre depuis cette Chulia, Vehanoten Al-Gaban, ou bien celui qui va poser au-dessus d'elle, Chayav, il sera Chayav, Pachot Miken, Patour, moins que cela, il sera dispensé. Alors là, on explique un peu de quoi ça parle. On expliquait hier la définition du Rishut Arabim, du Rishut Ayachid, un domaine privé. Un domaine privé, c'est quelque chose qui s'étend sur un espace de 4 tfachim sur 4 tfachim, ouais, en fait 40 cm sur 40 cm, plus ou moins, 40 cm sur 40 cm, et haut de dit tfachim, de 10 tfachim, donc de 1 mètre,
qui doit être entouré, qui doit être distingué du Reshut Harabim. Ok? Ça, c'est le cas classique. Maintenant, je vous pose une question. Si je creuse un puits de 5 tfachim, je vais retirer de la terre, et même des pierres, et maintenant cette pierre et cette terre, au lieu de les jeter loin, je vais les poser sur le rebord. Il s'avère que maintenant j'ai creusé un bord qui a, même si extérieurement, vous allez voir que ça va dépasser que de 5 tfachim, par exemple. Mais à l'intérieur, celui qui se met à l'intérieur, eh ben, il va avoir une hauteur de 10 tfachim, entouré avec un rebord, une muraille, donc c'est un Reshut Hayachid. De ce fait, si vous êtes maintenant sur les Reshut Harabim, vous allez poser sur ce petit rebord qui fait que 5 tfachim apparemment, et bien figurez-vous que vous êtes en train de déposer sur le Reshut Hayachid dans un domaine privé. Pourquoi? Parce que du côté interne, du puits, et bien on a une hauteur de 10 tfachim qui est entourée par une barrière. La barrière elle-même, elle a un statut de Reshut Hayachid. La barrière elle-même, elle a un statut de Reshut Hayachid, de domaine privé. De ce fait, celui qui va poser du Reshut Harabim sur ce rebord, il transgresse l'interdit de porter à Shabbat. Imaginez, vous trouvez quelque chose par terre. Illustrez le cas. Vous marchez dans la rue où il y a un puits, d'accord? À l'époque, il y avait des puits. Vous avez un puits, et puis vous trouvez une mezouza par terre. Oh, vous le ramassez, vous dites, on ne va pas la laisser par terre. Bon, interdit de porter à Shabbat. Moi, je vais la poser sur le rebord qui fait juste 5 tfachim. Ben non. Considérez que le rebord qui fait 5 tfachim, vu de l'autre côté, il fait 10 tfachim ce rebord. Et il y a ici un Reshut Hayachid parfait, vous transgressez l'interdit de porter à Shabbat si vous prenez la mezouza, vous la posez sur ce petit rebord. Qu'est-ce qu'il faudra faire avec la mezouza? Excellente question, je ne sais pas. Vous ne pourrez pas la transporter en aucun cas. Peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourra en faire? Excellente question, vous n'avez qu'à rester à côté, vous la prenez en main, vous restez à côté jusqu'à monter Shabbat si ça vous fait tellement de peine qu'elle reste comme ça toute seule. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas la poser sur ce rebord parce que vous transgressez l'interdit de Shabbat de porter. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.